suis très heureux d'être là. C'est la première fois que je viens à ce forum. Depuis plusieurs années, évidemment, on est très engagé avec les équipes de Google sur ces sujets de RSE. On est très engagé sur les questions environnementales, très engagé sur les questions d'inclusion à travers le travail de formation qu'on fait partout en France. Et donc, c'est un moment exceptionnel pour venir discuter, partager nos agendas, apprendre les uns des autres avec tous les acteurs de l'écosystème. Pour prendre un exemple sur les sujets d'accélération, évidemment, les questions qui sont posées depuis quelques mois autour de l'intelligence artificielle générative montrent bien combien il y a un certain nombre de sujets d'accélération. Pour moi, le point clé et la profonde conviction que j'ai sur ce sujet, c'est qu'évidemment, il y a des formidables innovations de technologies qui sont en train d'accélérer, mais parallèlement, il y a un énorme travail à faire avec les hommes, avec les femmes, de formation, de donner envie, de mettre des mots derrière les projets et de travailler sur toute cette dimension et tout cet écosystème. Et puis évidemment, on a beaucoup parlé des sujets d'environnement sur lesquels Google a un rôle important à jouer. Aujourd'hui, nous avons des data centers un peu partout en Europe. On est à plus de 64% d'énergie décarbonée qui viennent alimenter en énergie ces data centers. Rappeler notre objectif d'arriver à 100% en 2030, qui fasse en sorte que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chaque requête que vous faites sur Google, chaque email que vous envoyez, soit alimenté avec de l'énergie décarbonée. Je pense que c'est vraiment la démarche clé aujourd'hui pour investir autant sur la technologie qu'on investit sur la formation, sur des projets clairs qui vont être inclusifs et vont faire venir un maximum d'équipes.